Madame, Monsieur les secrétaires perpétuels des académies réunies, Mesdames et Messieurs, je vais vous parler aujourd'hui des coupoles qui présentent des difficultés, les coupoles qui présentent des fissures, les coupoles qui s'affaissent, les coupoles qui s'effritent. Et je vais parler plus en particulier du moment historique que cela représente et de ce formidable intérêt pour les historiens qui consiste à étudier ces objets d'une grande difficulté technique, mais dans le même temps des objets qui cristallisent un nombre très important de valeurs symboliques, comme cela vous a été montré précédemment. Alors j'avais prévu un certain nombre d'exemples historiques avant d'arriver à la coupole de Saint-Pierre de Rome qui consiste un petit peu le cœur de mon exposé. Je vais compacter maintenant les exemples historiques, mais je voudrais simplement montrer, en commençant par le Panthéon à Rome, que la symbolique qui s'associe à ces édifices si particuliers change avec le temps. Le Panthéon à Rome est vu pendant toute la période moderne comme l'un des édifices qui évoque la permanence de l'architecture romaine, de cette capacité à construire des édifices pour l'éternité. Je passe tout de suite à un autre exemple. Ce sont quatre exemples extrêmement célèbres, mais qui nous permettent de comprendre le contexte et l'évolution de la portée symbolique de ces édifices. C'est Sainte-Sophie de Constantinople qui s'est effondrée à plusieurs reprises avant d'être non pas définitivement reconstruite, puisque les difficultés pour Sainte-Sophie ont continué au-delà du VIe siècle et en particulier l'ont touchée un siècle avant la construction de cette coupole que vous avez vue tout à l'heure et qui est la coupole de Sainte-Marie de la Fleur. Sainte-Marie de la Fleur, construite par Brunelleschi, elle aussi, je dirais presque comme toutes les coupoles, a connu ses moments de difficulté, en particulier autour de 1695, alors qu'une polémique relativement contenue alors à des milieux intellectuels florentins, mais une polémique sur les conditions de sa restauration et de son maintien a traversé son histoire. Et puis la dernière, pour montrer quand même une coupole du XXe siècle, puisque l'histoire des coupoles ne s'arrête pas avec la période moderne, je vous montre la halle du centenaire, qui est l'un de Wrocław-Breslau, au moment de la construction de cet édifice en 1913, qui est l'un des exemples les plus intéressants de coupoles en béton armé, et qui, elle, pour le coup, a subi une violente requalification symbolique dans la mesure où elle est passée de la célébration de la victoire des armées prussiennes sur Napoléon à la bataille de Leipzig en 1813, après 1946, est devenue la halle populaire, hein, à la Ludowa, la halle populaire, et a été investie également d'une symbolique qui recouvrait le transfert du capital culturel et intellectuel de la ville de Léopold, de la ville de Lvov, aujourd'hui en Ukraine, que la Pologne avait perdu, dans cette ville que la Pologne regagnait, si on remonte jusqu'au Moyen-Âge, en Silésie. Mais tout ça pour dire que la coupole sur laquelle nous allons nous arrêter aujourd'hui, voici, sur une photo qui est un peu compactée, je ne sais pas pourquoi, mais je m'en excuse, qui est une très belle photo de Macpherson du XIXe siècle. La coupole de Saint-Pierre de Rome a, elle aussi, au cours de son histoire, vécu un certain nombre de tiraillements qui l'ont amené un moment du côté de l'architecture, de l'autre du côté de la religion, d'un autre du côté de la technique, d'un autre du côté du droit ou encore de la botanique, comme je vais vous le montrer à présent. Alors, la coupole de Saint-Pierre de Rome, un petit peu comme toutes les coupoles, présente des fissures. mais évidemment, la question est de savoir à partir de quel moment ces fissures présentent un danger pour le maintien de l'édifice.
Et donc, le moment de la décision de l'intervention de restauration est un moment extrêmement délicat qui suscite en général un certain nombre de polémiques. Mais la constatation n'est pas seulement technique. La constatation de la nécessité de l'intervention est liée aussi à un certain nombre d'éléments du contexte et le premier grand moment de peur autour d'un éventuel effondrement de la coupole de Saint-Pierre de Rome remonte à 1680. 1680, c'est l'année de la mort de Bernin. Bernin qui était intervenu dans la construction de la basilique Saint-Pierre, notamment avec deux campaniles qu'on avait dû démolir puisqu'ils risquaient de se renverser sur l'édifice. Mais les difficultés que rencontre la coupole de Saint-Pierre de Rome, où le Bernin est également intervenu, restent ignorées jusqu'au moment de sa mort. En 1680, en revanche, cette parole, d'une certaine manière, se libère et se referme extrêmement rapidement, non pas par une intervention technique, mais par une intervention de communication. Cette intervention de communication, elle est l'œuvre de l'opérateur qui a en charge la construction et le maintien, la décoration également, de l'édifice de la basilique Saint-Pierre de Rome et qui s'appelle la Fabrique de Saint-Pierre. C'est un opérateur extrêmement original dans l'histoire de l'architecture moderne, puisque c'est un dicastère, il est composé de cardinaux, et ces cardinaux ont pris toutes les décisions, ou au moins le début des décisions, qui ont visé à la réalisation de la basilique Saint-Pierre, et par conséquent également ont dû adopter la responsabilité des difficultés que l'Église rencontrait à différents moments de l'histoire. Et en 1680, il y a une petite intervention technique, mais qui n'est pas très importante, en 1680, au lieu de conduire une intervention de restauration significative, la fabrique de Saint-Pierre décide de publier un ouvrage qui ne paraît qu'à la fin du siècle, qui est l'ouvrage de Carlo Fontana, et qui vise à contredire les médisances autour de la stabilité de la coupole de Saint-Pierre. Alors, médisances ou problèmes techniques, on l'a vu récemment dans le problème du pont de l'effondrement de Gênes. La difficulté ressurgit cependant, puisque les fissures, dont certaines étaient extrêmement importantes, un homme pouvait passer entre les deux coupoles, il pleuvait en permanence dans le baldaquin du Bernin qui était rempli d'eau qu'on devait, dont on devait enlever l'eau assez régulièrement. Cette affaire ressort en 1742, au moment où un nouveau pape, Benoît XIV, est élu au siège pontifical. À chaque fois, vous le voyez, ce sont des moments qui, politiquement, ou étant donné le contexte, sont extrêmement spécifiques. La mort de Bernin, l'élection de Benoît XIV, Benoît XIV qui est le pape qui va ouvrir sa table aux jésuites et aux jansénistes, qui va tenter de réaliser une forme de conciliation, qui va créer les académies pontificales qui existent encore aujourd'hui. Benoît XIV décide de réouvrir en quelque sorte le dossier des préoccupations techniques et architecturales que suscite la coupole de Saint-Pierre de Rome. Et à la suggestion évidemment de l'architecte de la fabrique de Saint-Pierre, qui est Luigi Vanvitelli, qui est plus connu pour sa carrière successive, peut-être les œuvres qu'il a réalisées à Naples et dans la région, notamment la Regia de Caserta. Mais Luigi Vanvitelli, à cette époque, est en charge donc de l'entretien et de la conservation de la basilique Saint-Pierre.
Et il est extrêmement inquiet par ces fissures significatives que présente la coupole et demande au pape d'intervenir. Benoît XIV ne va pas tenter de manipuler cette institution qui a sa forme d'autonomie, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la fabrique de Saint-Pierre, mais va demander ce qu'on appellerait aujourd'hui une expertise à deux mathématiciens, François Jacquier et Thomas Le Sœur, dont vous voyez les noms, qui sont des pères minimes de la Trinité des Monts, qui sont plutôt connus dans les milieux scientifiques pour leurs travaux sur Newton et qui ne connaissent rien à l'architecture. Il envoie ces deux pères réaliser un certain nombre d'examens sur place. Ils font une étude. Je passe un petit peu les épisodes. Ils font une étude qui est publiée très rapidement en s'associant à un autre mathématicien qui, lui, deviendra, qui est jeune à l'époque, mais qui deviendra peut-être plus célèbre qu'eux encore par la suite, qui est Boscovitch. Ils font leur étude et, à l'occasion d'un spectacle de démonstration scientifique qui a lieu deux mois après, proposent les raisons de la solution qui est en fait la solution que l'architecte présentait. Mais tout ça a traversé une forme d'expertise qui justifie l'intervention et montre toutes les phases techniques de cette intervention. Alors, c'est extrêmement intéressant parce qu'à la suite de ce spectacle scientifique, lors duquel on a transformé la maquette réalisée par Michel-Ange, qui a été restaurée pour suivre plus ou moins, en tout cas à l'intérieur, la courbe de la coupole que Della Porta avait réalisée, puisque vous savez que cette coupole que l'on appelle souvent la coupole de Michel-Ange, en réalité, a été réalisée par Della Porta sur un modèle qui a assez significativement évolué par rapport au projet de Michel-Ange. Mais lors de ce spectacle de démonstration scientifique, les trois mathématiciens, par une série de calculs extrêmement savants, démontrent que la coupole devrait être maintenue par un cercle de maintien supplémentaire que l'on devrait ajouter et un certain nombre d'autres mesures, je ne rentre pas dans le détail. Et que d'après leurs calculs, donc on devrait ajouter un cercle, mais qu'on va peut-être en ajouter trois, parce que d'après leurs calculs, la coupole aurait déjà dû s'effondrer. Donc d'après la science, la coupole aurait déjà dû s'effondrer. À ce moment-là, par une polémique, je vous montre un peu rapidement quelques détails de cette maquette sur laquelle, comme vous le voyez, ils ont ajouté à l'époque les fissures pour pouvoir démontrer l'urgence de l'intervention et les moyens que cette intervention allait suivre. Mais par une polémique qui dure quelques années, entre 3 et 5 ans, elle meurt progressivement. Une polémique qui voit la publication d'une quarantaine d'ouvrages dans cette Rome des années 1740, d'ouvrages imprimés, ouvrages anonymes, ouvrages personnels, ouvrages de contestation, une polémique d'une très très grande violence intellectuelle autour d'un problème qui en réalité n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a une solution, presque tout le monde s'accorde pour restaurer la coupole et lui permettre de ne pas s'effondrer, qui passe par l'ajout de ces cercles de maintien, le chaînage autour de la coupole. Mais la question que je me suis posée en tant qu'historien, c'était évidemment de comprendre pourquoi les gens étaient conduits à s'arracher les yeux alors que l'issue et la conclusion étaient relativement partagées. Alors le premier problème, c'était évidemment la question de la nécessité de la restauration. Et la coupole de Saint-Pierre est un édifice extrêmement particulier, comme je vous l'ai dit, dont la réalisation a été conduite par cette fabrique de Saint-Pierre. Et les gens qui étaient en faveur d'une intervention, d'une restauration, se sont opposés à un argument
d'ordre juridique et qui relève du droit canon et qui, aujourd'hui, peut nous sembler un peu déplacé. Pour vous résumer cet argument, il considère que la coupole ne peut pas présenter de défaut, puisque la coupole a été réalisée par des architectes qui ont été choisis par les fabriciens de la fabrique de Saint-Pierre, qui sont des cardinaux, qui ont été donc nommés par le pape, et que puisqu'il y a une délégation d'infaillibilité pontificale, il n'y a pas eu de défaut dans ces choix, et que par conséquent, la coupole ne peut pas s'effondrer, et que les gens qui décident ou proposent d'intervenir à ce moment-là ne sont que des envieux qui veulent valoriser leur carrière en intervenant dans la basilique Saint-Pierre, et donc marquer leur nom à l'histoire de cet édifice. La deuxième question que les gens se posent, et j'ai mis un petit peu de moment à le comprendre, c'était de savoir si la coupole présentait des dommages ou des défauts, qui sont de termes antinomiques dans la compréhension des difficultés techniques de l'édifice. Des dommages proviennent de causes externes. Des dommages, par exemple les tremblements de terre qui ont mis en péril Sainte-Sophie de Constantinople à plusieurs reprises, la foudre, les canaux ou les fleuves souterrains qui traversent le Mont Vatican et dont on ne sait pas très bien s'ils ont été comblés ou s'ils sont encore actifs. Toutes ces causes sont des causes externes que l'on ne contrôle pas et qui donnent lieu à des dommages sur lesquels on est légitimement conduit à intervenir. Mais les défauts, c'est autre chose, puisque les défauts renvoient à des erreurs des architectes, à ces architectes qui sont Della Porta, qui sont Michel-Ange, qui sont Bramante avant lui, qui ont tous été critiqués, mais qui, au sein de ce dicastère qu'est la fabrique de Saint-Pierre, ne peuvent pas être mis en cause. Donc, le vocabulaire avait son importance dans la désignation des difficultés et dans le niveau de danger que ces difficultés représentaient. Alors cependant, la polémique continue, le pape ne sait que faire, puisque les scientifiques qu'il avait amenés à se prononcer, qui étaient allés puiser leurs ressources dans les mémoires de l'Académie des sciences de Paris, chez Lahire et chez d'autres, et qui avaient démontré avec tous leurs calculs newtoniens la nécessité, l'urgence, et peut-être que c'était même déjà trop tard, d'une intervention, alors qu'on voyait encore la coupole en pied, eh bien, cette polémique continue. Donc expertise, contre-expertise, expertise de l'expertise. On demande à des scientifiques à Naples, à Padoue, à Bologne de se prononcer non pas sur la matière, mais de se prononcer sur la forme du travail des trois mathématiciens. Et le pape finalement décide de confier, alors que les publications continuent à affluer, à se répandre dans la Rome, à jeter le discrédit sur les uns, sur les autres, à travers des publications anonymes ou bien à travers des publications qui utilisent à mauvais escient le nom d'un auteur pour justement le discréditer, eh bien le pape confie à un scientifique qui est extérieur au microcosme romain, mais qui est profondément... qui possède une profonde connaissance de la question de l'architecture, le mathématicien Giovanni Polini, de s'associer à Van Vitelli, l'architecte de la fabrique, pour mettre en œuvre la solution, en réalité la solution que Van Vitelli a suggérée, donc la solution qui est venue à l'origine de l'architecte, mais surtout aussi pour faire accepter au public romain, aux lettrés, aux intellectuels, aux ecclésiastiques, à la validité de cette solution. Et ces gens, tous ceux qui contestent l'intervention, comme tous ceux qui la souhaitent, se rendent sur place dans d'innombrables commissions dans lesquelles on discute de ce qu'est une fissure. Lorsqu'ils regardent l'édifice, tous ne voient pas la même chose.
regarde une fissure, et c'est une fissure, c'est pas une fissure, à partir de quelle taille une fissure commence, à partir de quelle taille proportionnellement à l'édifice, à partir de quelle taille dans l'absolu. Et donc, tout cet examen scientifique conduit à d'innombrables polémiques, d'innombrables contestations sur cet objet. Mais si on regarde plus en détail, au-delà de l'anecdote, la façon dont Polanyi et Van Vitelli ont travaillé avec un certain accord quand même, on s'aperçoit que différentes cultures, en fait, regardent un objet et transforment cet objet depuis chacun son point de vue. Je vous ai juste montré un exemple, je ne peux pas faire trop long non plus. C'est les dessins de l'architecte ici, et je vous montrerai la version du même endroit par Polanyi, le physicien, les dessins de Van Vitelli pour montrer l'emplacement des fissures qui se trouvent dans les escaliers des piles de la coupole. Donc ce sont des escaliers qui ont été creusés par Bernin, dont on avait pensé en 1680 qu'ils étaient peut-être la cause des fissures de la coupole. Hypothèse sur laquelle on est un petit peu revenu en 1740, mais qui nécessite quand même une intervention, puisque l'un de ces escaliers présente de très très importantes fissures et toutes les briques sont en train de tomber, en fait, dans l'escalier. Si je vous montre le dessin comparé, est plus intéressant, mais peut-être un peu trop petit pour pouvoir en discerner les différents éléments. Donc à gauche, vous avez le dessin de l'architecte et à droite, le dessin du physicien, du mathématicien. Et c'est extrêmement intéressant parce que, pour en donner seulement une caractéristique, vous voyez que les fissures dans le dessin de Van Vitelli se prolongent sous la maçonnerie. C'est-à-dire que l'architecte s'est posé également la question de savoir quel était le cheminement qui n'est pas visible naturellement, le cheminement de ces fissures sous la maçonnerie pour pouvoir comprendre où elles ressortent, où elles réapparaissent, etc. Et que cette position qui n'est pas une position de représentation empirique, puisqu'elle représente l'invisible, a été refusée par le mathématicien, par Polanyi, qui dans le dessin final qu'il fait sur la base du dessin de Van Vitelli, eh bien, ces fissures dans la maçonnerie ont disparu. Donc deux cultures, mais ce ne sont pas seulement deux cultures, ce sont 50 cultures, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui se sont opposées à ce moment-là. Pour certains, la coupole était un objet d'art. Pour d'autres, il était un objet purement religieux. Pour d'autres, enfin, il était un objet mathématique géométrique. Pour d'autres encore, un objet mathématique algébrique. Et là, je mettrai les trois mathématiciens dans cette catégorie. Et enfin, d'autres conceptions qui appartiennent profondément à cette première moitié du XVIIIe siècle, mais que nous avons aujourd'hui un petit peu oubliées dans un panorama du XVIIIe siècle qui, pour nous, doit toujours conduire vers les Lumières et vers une forme de rationalité. De ces autres conceptions de l'architecture qui sont à l'œuvre dans l'examen de la coupole en 1740, je ne vous en montre qu'une, c'est celle qui regarde l'architecture organique, c'est-à-dire que ces gens considèrent que les pierres et les édifices sont comme des plantes. Donc la coupole, à certaines saisons, est gorgée d'eau, donc on l'observe et elle gonfle. À d'autres, elle est plus sèche, comme les plantes, donc elle s'assèche. Et ce qui rend aussi l'observation scientifique et la constatation, la mesure de ces fissures absolument impossible, puisque tout dépend du moment auquel on regarde les choses. Mais surtout, ça montre que ces édifices ont une vie, comme les plantes. Cette théorie avait un grand impact à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, et elle a été notamment développée dans cet excellent périodique que sont les mémoires de l'Académie, que je me permets de lire pour trois lignes, Académie qui a envoyé à l'époque Tournefort, qui s'occupait plutôt de botanique, faire des expériences sur cette architecture végétale en Crète et ailleurs au Moyen-Orient.
Et le secrétaire de l'Académie des sciences écrit dans les mémoires à cette époque, donc nous allons étudier la conjecture sur la génération des coraux, etc., que M. Tournefort nous propose d'appliquer également aux véritables pierres. Elles ont une structure organique et constante. C'est autant à l'expérience à mûrir cette idée, mais enfin, quand la nature a pris une route, elle a coutume de la suivre. Et puisqu'il y a des plantes-pierres, c'est un préjugé recevable en physique que les pierres pourraient être des plantes. Alors, c'était juste un exemple pour vous montrer un petit peu les différentes conceptions, plus que d'imaginaires, qui s'affrontent dans cette affaire de l'observation de difficultés de la basilique Saint-Pierre. Mais il y a aussi ceux qui refusent toute ingérence, en quelque sorte, des mathématiques dans l'architecture. Et je dirais que pour ce milieu du XVIIIe siècle, c'est une position plutôt nouvelle, je ne sais pas si elle est novatrice, mais nouvelle de refuser les liens qui unissent l'architecture, la construction et les mathématiques. Mais l'un des acteurs de la polémique, qui est un jésuite également, nous écrit qu'il est inutile d'avoir recours, comme tous ces mathématiciens, aux mathématiques pour étudier les problèmes de la coupole, puisque nulle part on ne peut lire que Brunelleschi ait étudié les mathématiques. Mais appliqué à la grammaire, il consacrait tout son temps libre au dessin. Dans l'école de Ghirlandaio, on n'expliquait pas les points les plus obscurs des mathématiques, et en particulier de la mécanique. Le maître de Buonarroti, destiné par la Providence à un futur miracle d'architecture, ne lui soumettait pas ces beaux problèmes de la courbe isochrone et de l'isochrone paracentrique proposés par Leibniz et résolus l'un par Bernoulli, l'autre par Varignon. C'est le dessin et non les mathématiques que Ghirlandaio enseignait à son jeune disciple Buonarroti. Alors, qu'est-ce qu'il est arrivé à nos trois mathématiciens lorsqu'ils ont pensé à bon escient utiliser la question? Je passe un petit peu sur la solution qu'il propose, mais qu'est-ce qui est arrivé à nos trois mathématiciens lorsqu'ils ont suggéré d'utiliser les mathématiques newtoniennes, et en particulier une forme de géométrie très algébrique, pour déterminer les difficultés de la coupole? Eh bien, ce n'est pas tant ce refus des mathématiques dont je viens de parler, puisque je vous ai montré d'autres positions qui ont d'autres fondements idéologiques, et je pourrais multiplier les exemples, non pas à l'infini, mais de manière assez conséquente. Ce qui leur est arrivé, c'est d'avoir nié la réalité de l'histoire dans l'étude de cet édifice. L'édifice, tel que vous le savez, la basilique Saint-Pierre, en tout cas le nouveau Saint-Pierre, a été construit sur une période qui s'est étendue sur près d'un siècle, ce qui est assez inhabituel à l'époque moderne. Et nécessairement, c'est une superposition, un empilement de projets d'architecture, de renoncements, d'adaptations, d'évolutions, de contre-projets, etc. Mais à chaque fois, pour chaque architecte qui y est intervenu, contraint par ce que les autres avant lui avaient réalisé. Alors, ce qui a manqué aux Newtoniens, aux trois mathématiciens, et ce qui leur a été principalement reproché, c'est d'avoir isolé la coupole de Saint-Pierre comme on isolerait un objet dans un cabinet de physique, indépendamment de son contexte. Et non pas seulement de son contexte naturel, mais aussi de son contexte historique. Alors, Polanyi et les architectes Van Vitelli, etc., qui sont intervenus, qui ont, malgré un certain nombre de contestations, qui ont disparu au fur et à mesure, ont proposé une nouvelle lecture à la fin de cet édifice. Et pour Polanyi, voici un dessin qui explique les difficultés de la basilique à travers cette stratification de l'histoire que l'édifice a connue depuis le cirque de Néron, que vous voyez sur la gauche, qui était présent dans l'Antiquité sur la moitié sud de la basilique, jusqu'à
l'ancien Saint-Pierre, la basilique constantinienne, puis le nouveau Saint-Pierre, etc., l'intervention de Maderno, et on arrive. Et il comprend ça avec une méthode qui est une méthode philologique qui empile les éléments sur les autres. Et dans le même temps, je vous montre la lecture d'un architecte que je trouve extrêmement intéressante. C'est une planche qui a été parfois attribuée à Van Vitelli, mais ce n'est pas complètement sûr. Mais en tout cas, c'est une planche qui date de cette époque, de la polémique, qui est conservée à Naples aujourd'hui, et qui nous raconte à nouveau l'histoire de la construction de la basilique, mais cette fois du point de vue d'un architecte. Et la démarche est extrêmement différente parce qu'à travers des couleurs qui, dans cette planche et pour la photo, malheureusement aujourd'hui, sont un petit peu passées, mais il y a du rose, du gris et du noir, nous raconte la construction depuis Bramante du nouveau Saint-Pierre, non pas par stratification, mais par accumulation. Donc là, on a des éléments qui ont été ajoutés les uns sur les autres, comme une accumulation, dont on peut percevoir la spécificité de cette mentalité dans le dessin et dont vous voyez qu'elle est assez différente de l'explication que Polanyi nous proposait. Voilà, je vous remercie.